accroupi sur moi-même, les yeux fermés à penser, tout comme le penseur d'Auguste Rodin, triste sort qui est le sien, à vivre éternellement par l'art et pourtant à ne pas avoir de nom. Un autre modèle inconnu qui ne sera jamais reconnu pour soi, un peu comme moi au fond. Pourtant, derrière l'artiste, il y a quelqu'un qui vit, quelqu'un qui aspire à être aimé, entendu et surtout accepté. Combien de nous sommes le penseur? Combien vivons que pour apporter à d'autres le fruit de notre labeur? Pourtant, une personne ou un système, c'est du pareil au même. On s'oublie, on devient vide et le plus semblable aux autres pour ne pas trop attirer l'attention. Et pourquoi? On est tous uniques et c'est ce qui est beau. On mérite tous notre renom, même minime. On devrait aspirer à prendre notre place au lieu de se soumettre pour d'autres.